On est bien. Est-ce que vous m'entendez, les mecs? Est-ce que vous entendez la PS3? Là, normalement, il y a des petits machins qui se font. Hein? Ouais. Donc, voilà, j'ai la PS3 à côté de moi. J'ai mon Avermedia truc machin. Et là, ce que je vais espérer, en fait, c'est que ça ne plante pas. Parce que, je sais pas, c'est peut-être des couilles à roulettes. Qu'est-ce... De quoi? Qu'est-ce... De quoi? Hein? Bon. Donc, dites-moi si ça. Si ça. Si ça. C'est bien? Répondez. Allez. Je sais qu'il y a 20 secondes de décalage, mais quand même. Non? Ah, ça marche. Bon. Donc oui, alors Vanquish, qu'est-ce que c'est? On va le lancer directement. Enfin, d'ailleurs, je vais ajouter un petit texte à la fraîche. On va mettre. Sega. Alors, Vanquish, donc je disais. Qu'est-ce que c'est que Vanquish? C'est un jeu où on va très très vite, hein. Comme le fameux objectif que j'ai mis. On va incarner Sam Gideon, hein, un mec. Voyons un petit champ de teuf. Non, pas les 4 morts, normalement. Ah. Et ils sont un poil fort. Ouais, je me disais bien. Voilà, vous me dites si c'est mieux là. Donc je disais, Sam Gideon, donc ex-marine, tout ça, il est cassé des culs dans une super combinaison qui va extrêmement vite. Alors, on va commencer directement. Baise. Ah non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire des didacticiels parce qu'en finalement on s'en fout. On va faire une nouvelle partie. Ouais, je m'en fous. Ah oui, j'étais en légendaire. Alors, pour les besoins du stream. c'est mieux, ok. Pour les besoins donc du stream, on va se mettre en relax. Parce que comme ça, on va pouvoir faire. Enfin, non, normal en fait, parce que je suis pas une team mouillée. Non, vas-y. Parce qu'en fait, si je le mets en légendaire, si vous voulez, c'est du one shot quasiment. Et je suis pas encore assez bon avec le jeu pour pas me faire one-shotter quoi. Donc on va faire comme ci. Sam, est-ce que tu vois bien à l'écran? Ouais, pas mal. Quoi qu'il y a pas grand chose à voir. Bien. Passons au test de fonctionnement. On va commencer par le calibrage des systèmes électro-optiques de visée. Sam, je vais afficher une cible virtuelle. Essaye de la suivre visuellement. Ah. Alors par contre, je suis toujours une petite merde pour viser avec le prix de joystick. Si les commandes sont inversées, dis-le-moi et je réajusterai les capteurs optiques sensoriels. Tu sais que ça commence à me faire chier. Ouais, pareil. Encore combien de fois vous allez me faire faire ça? Vous devez maîtriser les bases. Ce n'est pas parce que vous avez lu le mode d'emploi que vous savez forcément tout faire. Oh, l'hôtel. Ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai une petite. C'est vrai, mais je sais ce que je fais, donc passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour aujourd'hui? Écoute,
Je sais que tu as hâte d'aller te prendre un verre, mais on a encore plein de choses à voir. Je te passe les commandes. Ça marche. Qu'est-ce que je pourrais voir? Que dalle. Allez. Très bien. Nous avons fini les tests pour aujourd'hui. Joli travail, Sam. Ces petits exercices m'ont creusé l'appétit. Elena, ça te branche un déjeuner à deux? Allez, le jeu commence. Ah oui, le début est un peu lent, mais après, on va se faire plaisir. Ça a craché. C'est magnifique. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Saloperie. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Putain de saloperie. Bon alors là, ce que vous voyez presque pas, c'est que le monde va se faire annihiler. Je peux rien faire là. Non. Allez. Voilà. Ok. Donc ce que vous n'avez pas vu, c'est Umbrella qui a fait des expériences un petit peu étranges. Non, je déconne. En fait, c'est les mecs qui ont envoyé un gros micro-ondes en forme de rayon et ça explose tout le monde. C'est pas des conneries, hein. C'est des micro-ondes. Au final, l'histoire, on s'en branle un petit peu dans Vanquish. L'intérêt, c'est d'aller vite. Et voilà, l'Empire Selvunig, il est mort. Vous accueille pour l'inauguration du nouvel état russe. Je suis qu'un cliché. J'ai un acteur américain là, comment il s'appelle? Cher citoyen américain, une grande tragédie a eu lieu aujourd'hui. Alors, le truc pour l'instant que j'ai trouvé le plus improbable qui puisse arriver, c'est qu'il y ait une femme à la tête de la présidence des États-Unis. Un grand nombre de victimes parmi nos hommes, femmes et enfants. Chaque américain déplore grandement ses pertes. Quant à ceux qui ont commis cet acte scandaleux, nous leur disons encore, nous ne céderons pas devant ceux qui veulent nous détruire. Notre force n'a pas d'égal, ni notre volonté est lip-sync. Ah, c'est joli. Que Dieu vous bénisse tous, et qu'il bénisse les États-Unis d'Amérique. Ouh.
c'est actuellement sous le contrôle de ceux qui sont responsables du coup d'État à Moscou. Nous pensons que le chef des opérations est un communiste du nom de Zaïtsev. Oh, j'oubliais. Voici Sam. Le DARPA l'envoie pour travailler avec nous. Yeah. Soldats, nous avons 8 heures pour faire en sorte que New York ne soit pas un autre San Francisco. Ne vous méprenez pas. Nous allons empêcher ce désastre de se produire. Oh ouais. Sam, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nos nouveaux amis n'ont pas l'air de te porter dans leur cœur. Toi t'es bonne. Les agents de la DARPA reçoivent leurs ordres de la présidente et du secrétaire de la défense. Ces types ne veulent que marquer leur territoire. Sam, n'oublie pas pour Écoutez-moi un petit peu. Le gouvernement américain s'est fait trahir par l'un des siens. Vous êtes les deux seules personnes à qui je peux dévoiler cette information. Mon Dieu. Les Russes prévoient d'utiliser le rayon énergétique à micro-ondes pour attaquer les USA. En tant que créateur de cette machine, il est de mon devoir d'empêcher cet acte de cruauté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, niqué. Les Russes. Ta gueule, Fox. Ta gueule. Ta gueule. Sérieux, ta gueule. Nous retrouverons le professeur. Cet endroit et même cette armure ont été conçus d'après ses plans énergétiques. Il est trop important pour être tué. Ta gueule, Hunter aussi. Et c'est sur ça que vous travaillez ? Même une égratignure. Vous êtes bien entraîné avant de venir ici, n'est-ce pas? Grave. On a des logiciels de simulation très précis. Vous en avez du vécu, hein? Vous feriez un bon cobaye à la DARPA, vous savez? Drôle d'entrée en matière. Il a plus de couteau. Et il est interdit d'en griller une à bord. Allez, alors. Donc vous voyez, le jeu est tout beau. Et on va très vite. Ah ah. Ouh. Allez, on va vite. Oh. Alors le contrôle de jeu, c'est on va très vite et oula, on fait gaffe. J'oubliais qu'il y avait de quoi. Voilà. On peut esquiver, on peut balancer des grenades. Franchement, d'après la cinématique, moi j'aurais pas dit que ça passe. Hein. Moi je dis ils ont utilisé les changements de caméra pour faire. Non, cette fois il passera pas. Michael Bay représente. Ah oui, et nos ennemis principaux, bah, ce sont des robots.
J'adore ce type. Quoi les tapettes? Là, si je voulais savoir, j'ai ma manette qui vibre comme, comme une petite folle. Centrale. Ok. On peut pas le traverser aussi facilement, chef. Voilà, je suis là. Je fais quoi maintenant? Tu vois la porte à gauche, Sam? Ouais. Si tu vas là-bas, tu devrais pouvoir attaquer l'ennemi par surprise. D'accord. Ça marche. Évidemment, par surprise, que je vais les attaquer. Hop là, et ça se voit que je suis en normal parce que je peux faire ça. Ah. Non. Ah. Allez hop, moi je prends ça. Et je fais ça. Hey. Et bah c'est bon en fait. Ah si, ah, on peut viser, c'est vrai. Voilà. Ça c'est Vanquish. Attention, un vaisseau allié s'approche. Oh mon dieu. Comme je vous ai dit, on va très près. Par contre, évidemment, il y a des baisses de framerate. C'est évident. Bien, allez-y maintenant. C'est parti. Oh. Salut. Chouch. Oh, viens. Non, ça c'est débile. Non, non, j'ai pas trouvé. Alors, le problème de Vanquish, c'est que quand t'as fait une attaque de corps à corps, tu peux plus rien faire d'autre. Wouh. Oh, oh, oh. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont ils sont un petit peu autodestructeurs. Voilà. Ouh, l'action de malade. Hop. Il y a aussi des coffres. On peut exploser. Non, débile. Parce que chercher, mais ça fera la. C'est pas la,
Non, c'est bon, je les ai pas tués. Allez, on avance. Ah. Ah bah c'est déjà fini? Ok. Ok. Donc voilà, il y a des points de passage, chapitre, tout ça, ça, ça rappelle le beaucoup secteur DMC, des arrivées etc. du quai d'atterrissage 3 se trouve droit devant. Il y a du grabuge dans le secteur des arrivées. Bravo, avancez mais restez à couvert. Ok. Merci. On va passer aux choses sérieuses. Et ça, je peux me le permettre parce que la je suis performance en... non, de ton armure est nulle, Sam. La gueule. C'est la première fois qu'une femme me dit ça. C'est fou. Je c'est très bien. Non mais. Allez. De con. Ah mon dieu. Je m'attendais à un accueil moins explosif. Ouais ouais, c'est ton petit malin toi. Hop. Là si je fais ça, il y en a un autre qui se pointe. Non. Ouh. Ah j'adore faire ça. Ça explose absolument toute ma barre. Putain, je kiffe faire ça. Ah oui, il y a un mode ralenti évidemment parce que sinon ce serait extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on kiffe ce jeu d'ailleurs. Allez, je me fais tirer sur mon top. Et si on tire dans la tête, voilà, ils explosent très vite. Si je parle pas beaucoup, c'est parce que je me concentre et on peut utiliser ces machins. Ouh. Alors on voit moins vite, c'est vrai, mais voilà, c'est plus rapide. Et j'ai Sam, plus. Tu es trop en avant. Ouais, ne prends ouais, pas ouais, de ouais. risque inutile. On va faire ce que tu dis. Ouais. Pas de soucis. Allez. Quoi? Non, c'est parce que je... Ça fait longtemps que j'y ai pas joué en fait. Hein. Quoi? Tu meurs. J'ai dit tu meurs. Sam, je détecte des interférences sur les radars. On dirait un passage temporel. Ça par exemple. Tu crois qu'ils essaient d'infiltrer un truc? Le pilote. Ah, je vais aller sauver mon pote. On peut aussi faire ça. Tiens, prends ça. Ouh. Il me donne des armes. Alors attends, il faut faire quoi? C'est bon, on les a tous butés là. Ça. Alors, ah mais il en reste là-bas. Oh, oui. D'accord. C'est bon. Les renforts ennemis se rapprochent de ta position. Y a-t-il d'autres moyens d'aller là-haut? On dirait que tu vas devoir employer la manière forte. L'entrée est ouverte maintenant. Bien. Allons-y.
Ouch. Fait mal. Je casse. Et merde. J'ai voulu me la jouer un petit peu bah Yoda Man quoi, mais... Les renforts ennemis se rapprochent de ta position. Y a-t-il d'autres moyens d'aller là-haut ? On dirait que tu vas devoir employer la manière forte. 3, 2, 1. L'entrée est ouverte maintenant. Bien. Allons-y. Et... Ah merde, je suis déjà dans le rouge. Ah ouais. Je me casse. Oh. Ah oui, il y a ces merdes. Shit. Allez. Ta 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 ta. Non, fais des bits. Voilà, ils ont plus de tête. Voilà, là il faut les taper dans l'eau. Y arriver ? Non. Oui. Wouh ! Ah, c'est beaucoup plus amusant quand je suis pas en pléchant de terre. La voie est libre. Je sais pas comment les mecs ils peuvent se faire. Ah, bah c'est. L'entrée principale est au-dessus de toi. Vas-y et ouvre-la. Burns, j'ai besoin de renfort. Franklin, Rios, escortez Sam. Franklin et Rios, s'il vous plaît. Ouais, dans les cinématiques, ça arrête d'exploser. Ennemi exterminé. T'as ce que je cherchais, mais ça fera l'affaire. Ah, ta gueule. Par contre, là, ça va encore continuer à exploser, donc... Deux transporteurs ennemis s'approchent par l'arrière. Oh oh. Préparez-vous à intercepter les transporteurs ennemis. Je suis con, non, François. Là, c'est le débarquement de Normandie. C'est les robots, les Américains. On va pas trop les user quand même. Qu'est-ce que tu me donnes ? Émetteur UM, génial. Émetteur UM, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça. Hop. Ils sont stun et moi je les explose. Ah, ça pourrait être utile plus tard. Ah. Bingo. Une source de chaleur se déplace dans les fondations. Il nous faut plus d'informations que ça. Je viens de terminer l'analyse des données. Il y a de fortes chances pour que ce soit le robot russe KNRB0 Arus. Qui a été au centre du débat sur le contrôle des armes. Attention. Rayon laser. Je crois que je vais avoir besoin d'une arme plus puissante. Alors celui-là en légendaire, je me suis fait chier à le buter. Ils ont toujours favorisé l'attaque à la défense. Frappons-les de toutes nos forces, ils vont très trop. Allez. On va se le faire. Faut viser les jointures. Bah. Ensuite, faut viser ça. Ah merde, oui, j'oubliais. Il y avait ça.
Hop là. Deuxième fois, et on pilonne. Presque, vas-y, je le finis. J'ai plus de munitions. Voilà. Putain, normal, il est rapide. Arrêter. Voilà. Presque. Sa transformation a commencé. Eh ouais, deux phases, la gueule. Il risque de se connecter à un générateur et de tirer avec son laser à grande portée. Ah non. Reste tranquille. Attention avec le laser. Explose. Il crève. Voilà. Ah oui, je crois qu'il y a un QTE là. Ouais, il y a un QTE. Faut que je le loupe. N'importe quoi. Non. C'est bon. Hein? Ok. Tu vois le cœur au milieu de son torse? Oui. Ouais. C'est le générateur. Burns, vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. Bravo, tout le monde, tirez dessus! Ah merde. Je peux lui tirer dans la tête. Ouais, je peux lui tirer dans la tête. Non, 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 non. Ouch. Je vais te pilonner la tête. Je suis comme ça moi, un mec sain. Lalalalalalala. Reste tranquille. Non 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 non. Casse-toi, casse-toi. C'est débile. Ça va moins vite en fait. Allez. Blast. Non, non. Là, en légendaire, en fait, je serais mort. Aïe. Là encore. Oh. Hey, je t'ai pas demandé de t'endormir. Ah, enfin. Et merde. Ah, il faut lui péter les jambes maintenant. Est-ce que plus de munitions?
Allez, meurs. Ah, quand même. Chaud. Explosion, man. Allez. J'ai pas de bonus de temps. Objectif accompli. Bien joué. Si tu le dis. Sortez-vous les doigts du cul. Allez. On y va. Avec joie. J'ai ouvert l'entrée principale. Ah. Bravo, franchissez-la. Mais laissez-la fermée jusqu'à ce que les renforts arrivent. On peut modifier le système de téléportation pour se déplacer dans la colonie. On travaille encore là-dessus à la DARPA. Et vous ne l'avez pas encore testé avec des humains ? Non, mais quand nous l'avons testé sur un rat, la bête s'est retrouvée littéralement la tête dans le cul à la sortie. J'imagine qu'il n'y a que ça que vous pouvez faire. Il va nous falloir encore 3 ans pour arriver à ce stade avec un humain. Tu vas croiser des alliés droit devant. Je t'envoie leurs coordonnées. Ok. Compris ? Bravo, allez-y. Ah. On s'en fout. Non. Tata. Et trop tard. Ah oui, on peut apporter des modifications à ses armes. En ramassant une autre arme de la même catégorie quand elle est pleine. Ou en prenant des machins d'amélioration. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais en bas à droite, mon fusil à pompe a gagné une petite insigne. Le lance-disque. Alors, quelle arme je vire pour le lance-disque? Aucune, parce qu'elle m'est dopée. Ça, c'est de l'efficacité. Et ouais, on a la classe, on l'a pas. Comme ça. Le fusil à pompe, il n'y a pas besoin de viser en fait. Voilà. Ça. Je ne prends pas. Tout va bien. Ernst, regardez. Ils essaient simplement de tendre
pas eux. Non, laissez-moi faire. Ne quittez pas. Enfin, on a des burnes, on les a pas, hein. Allez. Merci. Hey. Un transporteur ennemi se rapproche de ta position. Bon, tant qu'à faire. Allez, Reeves. En fait, je crois que ce traitement de choc a réglé mes problèmes de dos. Ah. Pareil que tu pourrais obtenir un de ces trucs sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues? Tombez. Moi ça va. Bon, merci. Je pensais pas que quelqu'un viendrait me chercher. F. Kennedy, comme quoi. Merci. Vous avez sauvé les autres? Ouais, ils sont déjà tous libres. Ouais. C'est leur problème, parce que moi, j'aime être détenu. D'accord. J'arrive pas à y croire. L'entrée est ouverte. Il devrait y avoir un ascenseur de l'autre côté. Vous avez tous entendu? Voilà notre ticket de sortie! Tous vers l'ascenseur! Et par feu! Voilà. C'est facile. Dans le cul. Bon. Je prends ça. Allez, 6 minutes. Plus 0. Sérieux. D'accord. Vous deux, restez là. Oui, chef. Mais vous allez mourir. Allez, on y va. Merde. Un jet de vous proposer un stream 1080p 60fps. Ce sera mercredi prochain. Ça va être la joie. Allez, ici, sniper, direct. Ça va fou. Et... là. On fait gaffe, parce que la cible tue, si me touche plutôt, je meurs. Où on l'a pas.
que je cherchais, mais ça fera l'affaire. Ça pourrait être utile plus tard. Ah, ça, c'est un sniper. C'est tellement ce que je voulais faire en fait. Les ragdolls. Parce que je cherchais, mais ça fera l'affaire. Ah oui, eux non plus savent pas viser. Allez, on y va. Ah, il faut buter le dernier, mais... Le flemme. Alors, ah putain, il reste un. Allez, casse-toi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Cinématique. Là-bas ! Là-bas ! On s'en fout de ces connards. Attendez, vous allez pas les laisser comme là-bas ? On va les couvrir d'en haut. Préparez-vous à tirer. Allez. Oh. Yes. Oh. Okay. Sam, dégagez de là. Ouais. Ah oui, putain, trop beau. Merde, il en reste encore un là-bas. Vous fermez ce truc. On peut encore l'aider. Ouch, non, non, je veux pas parler. Eh merde. Je suis allé trop vite. Ouais, ouais, c'est bon. Oh, passe. Quoi, il y a un... Ouch.
Ah oui, je me prends un truc comme ça dans la gueule, effectivement, ça ne fait pas du bien. Là, je le fais. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien. Bon, ça va pas du tout. Allez. Ça va bientôt être la fin de chapitre de toute façon. Il est bientôt 22h donc je vais bientôt arriver. Yes. Ah bah ça servait bien de le sauver. Sam, je vais monter. Bert, vous nous emmenez l'unité sur le chemin du bas. Vous voulez pas que je vous tienne la main? Je vais vous traîner sur le champ de bataille. Allez mon gars. Ouais, le fusil de sniper juste pour le fun. Je suis coincé ici par une tourelle fixe. Incroyable. Je vais faire diversion. Mais il faut que l'un de vous détruise cette saloperie. Inquiète pas ma gueule. Je m'en occupe. Et dedans, du travail de pro. Continuez comme ça. Je suis pas votre caniche, Burns. Ah, il te félicite. Calme tes seins. Viens donc par ici, l'aspirateur ambulant. Maintenant, ouvrez le feu. Eh, bien joué. Vous me revaudrez ça plus tard. Allez. Tiens, prends ça. Allez. Merci beaucoup. Mais baisse-toi du con. Ouais. C'était pour le... Vous êtes encore à vider le secteur ? L'étage est sécurisé maintenant. Eh ben mon salaud, un vrai dur à cuire. Non plus. Alors oui, ce jeu il a plein d'armes. Moi je préfère ces trois premières. Et mes dames. Une embuscade ! Ah mon dieu ! Dispersez-vous ! You can't have me. Cannot touch what you cannot see. Futur. Ça.
Bon, va. Boum 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 boum, et voilà. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal même. Et il est justement 21h59. Vous êtes 21, on a perdu 10 personnes depuis le petit débat. C'est magnifique. Salut The Big Best Man, bah t'arrives juste à temps pour le film. Le film passé par Adwin qui s'appelle. La bouteille a toujours été mon allié. D'accord, je disais donc la purge qui va être passée par Adwin. La purge 2 même. Enfin, techniquement c'est American. Même truc, machin. Le truc à la con, ou... enfin bref, il va passer ça, ça va être marrant pour vous. Moi je vais m'arrêter. Putain, mais ta gueule! Jamais apprécié un bon whisky. Putain d'alcoolo. Donc je disais, je suis arrivé que je vais m'arrêter là et que je vais laisser la main à Adwim. Adwim, si t'es là, tu me fais signe. Tu me dis comme ça, t'es prêt. Pour l'instant, je pensais pas que ce serait aussi chiant. Trois transporteurs blindés Victory foncent sur toi. D'accord. Voilà au moins un truc sur lequel on peut compter. Vos canons de la DARPA valent le détour, c'est moi qui vous le dis. C'est prêt. Ok. Alors, bon, bah. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Louis, mais. Et peut-être à bientôt, certainement à mercredi, avec du stream extrême. Allez, salut.